Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 11h à peu près. On vient juste de recevoir notre congélateur, fait que je voulais vous montrer ça. On va tout réorganiser le congélateur. Je vais vous montrer ce qu'on avait avant, puis je suis pas mal sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ça, puis qui ont le même problème, fait que je vous montre ça. Donc on a un congélateur comme ça là, puis c'est plein, puis je sais pas ce qu'il y a en dessous, ça doit faire genre, je sais pas combien de temps qu'on l'a pas ouvert. À part pour le top. Fait que j'ai décidé de nous gâter avec l'arrivée de bébé bientôt pour qu'on ait un congélateur vertical. Je trouve que c'est plus commode pour faire des meal prep. On veut faire plein de meal prep pour justement, avec l'arrivée du bébé, que ce soit plus simple. Donc, je vais vous montrer le congélateur. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé avec l'histoire du congélateur. Je vais juste fermer la machine, on entend fort. Donc en fait j'avais acheté un congélateur chez Economax, puis finalement ils m'ont appelé deux jours plus tard pour me dire que le congélateur en question, la livraison sera pas faite comme qui est mentionné sur le site. Puis ça peut vraiment aller loin, fait que moi c'était censé être maximum fin novembre, fin octobre. Donc là c'est sûr que ça m'intéressait plus tant. Donc ils nous ont proposé, en fait c'est Brooke Martineau qui nous a appelé parce que c'est fait ensemble, c'est la même compagnie. Ils nous ont proposé d'avoir un Maytag qui est quand même 250$ de plus. Pour le même prix, puis c'est la même dimension toute. Donc nous on avait payé le... J'étais soufflée, là, excusez, j'ai chaud, j'étais en train de faire du ménage. Si on avait payé l'autre qui était un frigidaire 849 plus taxes, c'est quand même cher. Puis finalement, ils nous ont proposé un Maytag qui était 1099 plus taxes sur le site, fait qu'on est bien content. Puis la garantie est vraiment plus longue, c'est 10 ans. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Il est vraiment, vraiment bien, c'est pas un énorme, mais c'est parfait là, pour nous. Donc je vous montre. Donc là, on l'a juste mis là en attendant. Donc c'est vraiment simple, un congélateur blanc, on va le mettre dans le sous-sol, fait que c'était pas important que ça soit en stainless. Puis regardez l'intérieur, moi c'est important qu'il y ait des tablettes dans les portes pour mettre genre des pots de sauce à spag, des choses de même. Donc il y a quand même beaucoup de rangement, on a un genre de faux panier en bas. Donc quand même, là, tu sais, il faut ouvrir, il y a de la place. Donc j'ai vraiment hâte de l'organiser, là j'attends, en fond on vient de le faire livrer, fait qu'ils disent d'attendre 2 heures avant de le brancher. Après on va le brancher puis on va faire le ménage de l'autre congélateur, il y a bien des affaires dans le fond qu'on va devoir sûrement acheter. Puis on va tout bien placer ça, je vous montrerai ça tantôt. Là j'ai du ménage à faire comme toujours dans mes vlogs, mais c'est ça. Je voulais, je vous ai montré dans mon dernier vlog là, que le linge, comment que ça s'accumule dans ma salle de bain. C'est pas fini, j'ai beau plier pendant 2 heures, mais regardez ça. Genre, on s'en sort pas. Fait que je vais essayer de m'attaquer à ça aujourd'hui pour pas accumuler encore plus. Puis sinon, je vais faire couper les ongles à Juliette. Finalement, si vous avez écouté mes stories, genre, elle est tellement folle là, que je suis pas capable de le faire. On a tout essayé, honnêtement. Attends, je vais placer la caméra. C'est ça, donc on a tout essayé au niveau des pour les ongles à Juliette. Puis honnêtement, on a tout essayé. Quand je vous dis là, le beurre de peanut, on a essayé de la cacher avec une couverte, la mettre dans un chandail avec des trous. Rien à faire, est folle. Donc là, j'ai pris rendez-vous au vétérinaire, puis ils vont y couper les ongles. Fait que ça va être fait, c'est vers 2 heures, elle s'en vient justement. Elle sait que je parle d'elle. Viens voir maman! Eh oui, viens voir maman, la maudite! La voilà, la maudite! Hey, ses ongles sont tellement rendus longs, regardez ça. Bon, c'est dur à voir, elle capote là. Hein? Fait que c'est ça, on va là, je vais là à 2 heures, mon chum, il faut qu'il répare son auto. Après, on la met à vendre parce qu'on veut s'acheter un petit camion. Parce que notre poussette, elle rentre même pas dans mon char, là, où je pense que c'est vraiment, vraiment tête. Fait que de toute façon, on aimerait ça avoir un petit camion VUS, là, tu sais, peut-être 5 places, 7 places. À suivre, on a visé le Mazda, mon Dieu, pas Mazda, le Acura MDX ou RDX, mais c'est quand même dispendieux. Fait qu'on est en train de voir, là, le RDX c'est moins cher qu'un MDX, mais c'est plus petit. MDX c'est 7 places et RDX c'est 5 places. Mais sinon, ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc, c'est pas mal ça, puis je voulais... Fait qu'est-ce que je voulais faire? Il y avait d'autres choses que je voulais faire aujourd'hui, là, des petites affaires. Fait que je vais vous emmener dans ma journée, puis voilà. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner quand même. On est quand même 1300 passés, je suis vraiment contente. Puis n'hésitez pas à liker la vidéo, donc c'est parti! Les points sont cute! Qu'est-ce que vous faites, coucou? Oh!
Bon, je viens juste de terminer mon ménage. Ben, mon ménage. Mon ménage de la salle de bain en bas. Tout ramasser le linge. Puis là, j'ai chaud. Je sais pas aujourd'hui. Il pleut à Sio. Puis c'est tellement humide. Il fait comme 21. C'est genre la dernière journée vraiment chaude, même s'il mouille à Sio. Mais on dirait que je suis plus habituée. J'ai tellement chaud. Fait que là, je me suis habillée. J'ai mis un petit peu de mascara. Mais ça va être ça pour aujourd'hui. Parce que même si je me prépare les cheveux, moi, mes cheveux à l'humidité, ça gonfle. Fait que je vais vous montrer mon petit outfit. Ça vient du H&M, donc c'est un ensemble, là, avec mon gros trépied, là. Mais c'est un ensemble matching set. La seule affaire que j'aime moins, c'est que le pantalon, il est vraiment plus mince que le chandail. Le chandail, il est très opaque, mais le bas est un peu moins. Fait que, on voit un peu mes bas, mais c'est pas grave, je reste à la maison. Fait que, ça, c'est mon petit outfit de la journée, très beige. Là, sur Instagram, je viens de publier mon reel qui montre les cadres, les nouveaux cadres qu'on a mis dans la cuisine. Fait que, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ça quand même, là, si vous avez manqué, c'est vraiment beau, je suis trop contente. Fait qu'on a changé les cadres, on a mis, là c'est un peu le bordel sur la table, mais c'est vraiment beau, pour vrai, je suis vraiment contente. Avant on avait un seul cadre, puis je trouve que ça l'habille tellement plus la maison. C'est un peu croche, là, on va l'arranger, je viens de voir. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment beau. Fait que si jamais ça vous intéresse, mon code promo pour Repas Étoile, il est bon jusqu'à au 30 octobre seulement. Ça vous donne en fait 25% de rabais à tout achat de 75$ ou plus avant taxe. Moi, j'en avais acheté pour ma chambre, puis là, ils m'ont généreusement offert ce beau projet-là. Mais en tout cas, si vous vraiment voulez vous en procurer, c'est le moment jusqu'au 30 septembre. Fait que là, je vais me partir une petite série que j'ai commencée qui s'appelle Made sur Netflix. Je suis rendue à la troisième épisode. C'est une mini-série. Honnêtement, c'est tellement bon, tellement touchant. Ça parle en fait d'une fille qui subit de la violence psychologique par son chum. Puis elle est partie avec sa petite fille, puis elle se ramasse avec plus une scène, plus de logement, plus rien. Puis elle se fait comme enlever la garde de sa fille. Fait qu'en tout cas, je suis rendue là à date, mais ça a l'air vraiment bon pour vrai. Ça représente beaucoup de la réalité aujourd'hui que beaucoup de mamans vivent. Donc en tout cas, je sais que... sur Instagram aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça écœurant, que c'était la meilleure série de 2021. Fait que si jamais vous n'avez pas vu, je vais vous montrer de quoi ça a l'air, le Made. Fait que c'est ça ici, là. Made avec sa petite fille. Tellement cute. Fait que je me start ça. Et il n'y a pas de toi, Kira. Je veux la garde alternée. Ça, c'est les nouveaux escaliers de maman Evadi. Et ça... c'est le nouvel appartement de maman, il m'a dit. Salut tout le monde, on se retrouve vraiment plus tard. Il est présentement 10h38 le soir, mais je reviens chez mon père, on a été souper chez eux. Puis je voulais faire mon congélateur, même si c'est 10h30, fait que je vais vlogger, même, désolée pour l'éclairage, c'est pas top. Fait que il est vraiment, vraiment froid, je suis vraiment contente. Donc on a du ménage à faire, beaucoup de choses à jeter malheureusement, puisque ça doit faire depuis qu'on est emménagé ici qu'on n'a pas touché le fond. Donc ça vous donne une idée. Donc on va faire le ménage, puis je vais vous montrer après tout le beau rangement de notre projet. Voici notre congélateur. C'est sûr que je vais essayer de me réorganiser parce que je sais comme pas trop comment organiser. Puis surtout la porte, on a full de sacs de viande, de cookies qu'on n'a pas mangé. Fait que j'essaie de m'acheter des bacs là, pour que ça soit plus facile. Donc voilà, je vais vous montrer plus de loin. C'est comme un peu coincé, mais le pain en bas, j'ai mis les trucs fruits et légumes. C'est sûr que c'est pas rempli, mais ça va se remplir assez vite. Pis ça, ben, c'est la viande, mais ça, je risque d'en donner à ma mère, à mon père, parce qu'il y en a trop, là, pis on reçoit des cookies, fait que... ça ressemble à ça, je suis bien contente. Il y a quand même beaucoup de place, mais j'aurais peut-être aimé un petit peu plus grand. Quoique, il y a quand même de la place. Correct avec ça, baby? Oui. Bon matin, aujourd'hui on est dimanche, je pense que finalement ça va être un week-end vlog. Hier, on a fini le... on a fini de faire le congélateur, je pense qu'il était minuit quasiment, on s'est couché tard.
Fait que, puis j'ai pas fait grand chose hier finalement, vu que mon chum vient réparer son auto. Moi j'étais chez mon père après avec mon chum, on était souper là. Puis on a fait le congélateur, donc c'est ça, on dirait que la caméra est croche. Fait que, en tout cas, fait que finalement c'est un week-end là, comme ça avec plus de fun, puis plus d'affaires à montrer. Fait qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de plan de prévu. Là je viens de me préparer mes cheveux. Mais c'est pas vraiment pas prévu. Fait que là, on va déjeuner, puis on va vous amener dans notre journée. Mon père est censé venir faire un tour tantôt. Il vient pas souvent, mettons, puis il habite à 5 minutes. En tout cas, fait qu'à suivre, mais c'est ça. Fait que je vais vous amener dans ma journée, puis on va jaser, puis c'est ça. Donc voilà. Bonjour. On revient du Costco, fait que je l'ai fait un petit haul de Costco avec. On a acheté bien des affaires. Mon chum, là. Il y avait ça qui est sorti, Tuxedo, si vous capotez pas sur le Tuxedo du Costco. Non, plutôt si vous capotez sur le Tuxedo du Costco, faut vous acheter ça. Je vous dis ça, mais je l'ai pas essayé, fait que je vais l'essayer. Je vais goûter tantôt, puis je vais vous donner mes nouvelles. J'ai acheté deux petites salades comme ça, c'est la lana, fait tellement bonne. J'ai acheté une asiatique. Il y a des belles chemises qui ont sorti, c'était comme quoi, 18, je pense. Moi, la mienne, elle fait 13. Mon chum 13, fait que je vais laisser tantôt aussi. Ils sont vraiment belles. Je vais vous les montrer. Un sac de chips, que c'est Cape Cod. Moi, je jetterai pas. Mon chum aime vraiment ça. Des gâteries pour les chiens, c'est du chicken jerky. Il aime vraiment ça. C'est comme du poulet séché. Ben, c'est comme c'est du poulet séché. On a acheté deux paquets d'amandines comme ça. Elles sont super bonnes, fraîches, du Costco. Ça vient tout du Costco. Faudrait que je cherche mes mots. J'ai acheté des fraises, des mûres. J'ai acheté des bleuets. On a acheté deux paquets de lumière comme ça. C'est vraiment hot. En fait, mon père en a acheté, puis il en a acheté 4 paquets. Puis il nous l'a montré hier. Je vous montrerai ça. Je pense que mon job est déjà en train de patenter pour vous le montrer. Mais on peut mettre des lumières. Je pense qu'on va le mettre tout sur le devant de la maison en haut. Puis ça peut remplacer des lumières de Noël. Il y a vraiment des thèmes. On a Noël, Halloween, il y a des drapeaux. C'est vraiment hot pour vrai. Là, c'était 25$ en rabais au lieu de... 35. Je vais vous le montrer après. Là, il l'a branché. J'ai acheté du chocolat au lait. C'est quoi qu'on a acheté d'autre? C'est tout? Juste ça? J'ai acheté, je vais vous le montrer parce que c'est lourd, une caisse de San Pellegrino comme ça. Du détergent. Puis je vais vous montrer les lumières. Regardez ça. Là, ils sont enroulés, là, mais Noël... C'est vraiment malade mental, là. Ça, c'est Halloween. 25$. Halloween. Ça, c'est Halloween. Quoi que ça fait pas là, tant. Tu peux les faire tourner. Parce qu'il y a une couple d'options. Noël. Regardez la manette, il y a vraiment des... Noël. Noël. Fait que, tu sais, comme quand c'est accroché sur tout le long de la maison, c'est vraiment cool, en tout cas. Là. Puis, tu peux faire ça comme ça. Fait que ça va être vraiment nice, je trouve, sur le devant de la maison, à place de mettre des lumières. T'sais, au moins, on peut laisser à l'année quasiment si on veut, puis juste mettre le thème qu'on désire. Donc, je vais ranger ça, puis on se reparle un petit peu plus tard. Donc, voici la chemise. Je l'aime tellement. J'ai pris la plus grande, dans le fond. C'est une 2X. Elle est grande, mais c'est parfait, là. Honnêtement, j'aime tellement le look oversize. Puis la couleur est tellement belle. Elle est épaisse. Regarde, pour le prix, moi j'adore, puis mon chum, lui aussi, est parfaite. Mais la coupe est plus courte pour les femmes, quoique est quand même longue, là. Moi, je trouve ça parfait. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, je viens de rentrer de dehors, ben ça fait un petit bout. Mon père est venu, la mère et mon chum sont venus, on a bu du café, ça a jasé. Fait que là, hier, je suis en train de faire d'autres choses, mais hier, on a acheté des lettres au Dolo en bois. C'est comme l'alphabet en bois, comme ça. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais le goût de me faire un petit Mia en bois peint. On a acheté du rose et du blanc au de l'eau. Puis j'avais le goût de mettre ça sur la porte. Genre, je trouve vraiment ça fait cute. Fait que je fais ça là. Puis j'ai acheté les pinceaux aussi. Fait que je vais peinturer. Je vais mettre plus ça rose pâle. Parce que le rose est vraiment. Ouais, il est fond. Le rose est vraiment flash. Puis moi, je veux vraiment un petit rose. Peut-être peinturer des trucs dessus.
Ouais, je viens juste de prendre ma douche. Je vais mettre fin au vlog avant d'oublier, parce que j'étais déjà dans mon lit, puis j'avais oublié. Donc, ça a été une journée vraiment occupée, mais tu sais, vraiment relax aussi, là. Plus avec la visite, puis on a écouté au dé à soir, on a mangé un peu de crap. C'était bon. Fait que... Est-ce que... Ben, c'était pas santé, hein? Fait que c'est ça, je vais te faire un vlog. J'espère que vous avez aimé ça. C'était un petit vlog bien simple. Puis je vais essayer de vous filmer d'autres sortes de vidéos aussi dans les prochaines semaines. On va sûrement bientôt commencer les rénaux de la salle de bain. Ben, peut-être d'ici maximum, là, j'arrête pas de repousser, mais maximum d'ici un mois. Parce qu'on attend les commandes de tous les matériaux et tout ça. Fait que je vais vraiment avoir tout avant de commencer, là, puis être sans toilette. Parce que je vais aux toilettes 3-4 fois par nuit. Fait que de plus en plus, je vais y aller plus souvent. Fait que j'aimerais mieux pas aller en bas au sol, là. Fait qu'en tout cas, on verra bien, mais c'est ça. Si jamais vous avez des idées de nouveaux vidéos ou quelque chose que vous aimeriez voir, juste me mettre dans en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou bon matin quand vous écoutez ça, je sais pas. Mais on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde!